تفضلي هلا ونقدر. السلام عليكم كوتش هنا بكاي قناة شرق الإخبارية. السلام عليكم الزملاء الصحفيين. كوتش، المنتخب الوطني سيعود مرة أخرى إلى ملعب جابوما من بوابة مباراة أوغندا، كيف ترى قرار اختيار ملعب من قبل المنتخب الأوغندي؟ سؤالي الثاني فيما يخص رياض محرز، الصحافة تتحدث كثير على تنقله إلى الدور السعودي كمدرب أول للمنتخب الوطني، واش تنصح قائد الخضر في هذه الناحية؟ شكرا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء on va présenter nos félicitations à différentes équipes et différents joueurs plutôt. Déjà avant tout au niveau national, on va présenter nos félicitations au club de l'USMA pour cette coupe de la CAF, la première pour ce club. Et donc voilà, félicitations à tout le club, félicitations aux joueurs avant tout, au staff technique, aux dirigeants, et puis voilà, très content pour leurs supporters, ils méritent ça. J'ai beaucoup été voir leurs matchs, notamment à Boulourine, et j'ai toujours été un peu impressionné par leurs supporters. Et pour le peuple tout en entier, puisque lors de ce match-là, on était tous supporters de... Toute l'Algérie était supporter de l'USMA. Donc félicitations, Tanil Bledna. Un trophée de plus. Voilà, j'espère qu'il s'en appellera d'autres pour l'USMA, pour tous les autres clubs algériens engagés dans les différentes compétitions continentales. C'est la première des choses. La deuxième des choses, félicitations aussi à nos joueurs, et notamment, on va commencer par Riyad Mahrez, avec c'est quelque chose quand même d'historique, gagner cette Champions League. Voilà, on se sent tous concernés quand un Algérien triomphe, et même si on a eu, je pense tous autant qu'on est, la déception de ne pas le voir jouer sur ce match-là. Mais voilà, dans cette compétition, il a pu jouer, il a pu briller. Je crois qu'il en est le troisième buteur de cette équipe-là. Voilà, il a contribué, même si c'était dans les derniers matchs, il n'a pas joué. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on a un Algérien champion. Champion d'Europe, on a eu notre coach, l'ancien joueur Monsieur Rabah Madjer, donc ça nous en fait un deuxième, tant mieux, j'espère Inch'Allah dans l'avenir on en aura d'autres. On va féliciter aussi Saïd Ben Rahma, qui a gagné cette Coupe d'Europe, pour le coup lui a marqué son empreinte sur ce match-là, puisqu'il a pu jouer, il a pu marquer, donc félicitations à eux, j'espère que voilà, ça amènera, ils amèneront avec eux ce côté victorieux, cette dynamique de victoire, et voilà, l'envie d'aller chercher des trophées, puisque c'est ça qui nous anime, nous, quand on est en équipe nationale d'Algérie. Donc voilà, j'espère oublier personne. Pour répondre à la question, à la localisation de ce match-là, effectivement, j'ai été aussi surpris, parce que on a un continent qui est très, très vaste, l'Afrique. Et donc, surpris qu'on puisse jouer une fois de plus sans aller dans une quelconque polémique. Surpris qu'on aille jouer à Japoma. À la Koulihal, c'est pas un souci pour nous. On va y aller. La dernière fois qu'on s'est déplacé là-bas, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on va y aller avec l'envie de faire un résultat dans ce cinquième match de groupe qualificatif. السلام عليكم، عيسى مدني للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية. حييك كوتش وكل الزملاء الحاضرين. المنتخب الوطني يعود، عندنا لقاء رسمي مع أوغندا، لقاء ودي مع تونس. المنتخب الوطني متأهل، الوقت ضيق السيد بالماضي، يوم 18 ويوم 20. فقط سؤالي هو كيف، ما هي أهداف السيد بالماضي من اللقاءين، وكيفاش راح تتعامل معهم بالنسبة للتشكيلتين؟ هل راح نشاهد تشكيلتين مختلفتين تلعب في فريق يوم 18 وآخر يوم 20، تعطي الفرصة للاعبين خاصة ربما الجنود، كيفاش راح تتعامل مع اللقاءين في ضيق الوقت أولا؟ ثانيا، ممكن فكرة اللاعبين اللي راهم حاضرين لحد الآن، التربص راح يبدأ غدا إن شاء الله، وطبعا بالنسبة للاعبين اللي ربما راح يتأخروا. شكرا. C'est vrai que le match,
برنامج تاع هادو لي ماتش كاين يومين برك بين لي هاد المباراتين باينه باللي لازم نجوي افيك دو زيكيب سا سي ايفيدون جو سي جي سيت انفورماسيون depuis pas mal de temps. Si vous faites attention aux différents regroupements, aux différentes dates FIFA, généralement, si on regarde encore la dernière, par exemple, il y a à peu près 70% du premier match et le deuxième match qui a changé. Donc c'est quelque chose que je fais de manière courante. Donc si on veut parler du dernier match, du dernier regroupement entre le premier match ici à Alger et le match en Tunisie, je crois qu'il y a Riyad, Ismaïl, et non, le gardien a changé. Ouais, n'a que Riyad et Ismaïl qui avait démarré le match ici à Baraki. Donc il y a eu Niger. Ouais, contre le Niger, ici en Algérie, entre les deux matchs, 8 joueurs qui avaient changé entre. Donc, et si vous remontez dans les dates, c'est plus ou moins comme ça que je fais. Quand il y a la possibilité, quand je prends un effectif, c'est que j'estime que c'est le meilleur en tous les cas au moment T, donc que tout le monde est habilité à pouvoir jouer. Après, il y a différentes choses que je recherche. Après, dès qu'on va, je sais pas, s'approcher un petit peu plus d'une compétition officielle, notamment de la prochaine CAN, les choses vont être un petit peu différentes. Mais en attendant, on prend le temps et c'est le moment pour pouvoir laisser la possibilité à certains de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se montrer, de pouvoir. Donc, dès qu'il y a la possibilité, c'est ce que je fais. Donc là, plus que jamais, on a 48 heures entre les deux matchs. Donc c'est ça, c'est l'idée, ça ne me dérange pas en soi. Et je vous invite aussi à regarder les différentes équipes. En tout cas, c'est bien d'avoir une connaissance un peu des autres équipes qui composent ce continent, notamment les grosses équipes, du top 10 par exemple. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Entre deux matchs, généralement, la plupart du temps, c'est plus ou moins la même équipe qui joue. Il n'y a que nous, vraiment, qui changeons. Ça, c'est les stats sur lesquels j'ai observé. Hein. Et donc, moi, ça change pas beaucoup. Là, c'est vrai que c'est 48 heures. Donc, il faut être encore plus précis dans le temps de jeu. Il y a beaucoup de plus de points à prévoir, à contrôler. Donc, ça ne me pose pas de soucis du tout. Les joueurs qui ont été sélectionnés, bien sûr, vont avoir la possibilité, parce que dans l'avenir, ça sera un peu plus difficile. On va avoir la possibilité de jouer, de se montrer pour la majorité du groupe, si vous voulez. À un ou deux joueurs près, généralement les gardiens de but, c'est un peu différent. Même si là aussi, je vais tourner. C'est une des, peut-être, pas dire, pas avec certitude, mais dire une des dernières fois où je vais peut-être encore utiliser au moins sur les deux matchs deux gardiens différents. Jusqu'à un certain moment. Donc, voilà pour la première question. La deuxième question, c'est... Oui, il y a une prise en compte. La date, je l'ai dit déjà la dernière date FIFA aux joueurs, je leur avais dit que la date, elle était compliquée. Cette date-là, elle se situe en plein milieu des vacances des joueurs, pour la plupart. Pour certains, par exemple, comme Riyad, comme Ramiz Zerouki qui va jouer aujourd'hui un match de play-off, comme Ahmed Touba qui va jouer aujourd'hui aussi une finale de coupe de Turquie. Voilà, sur 4-5 joueurs, sur 4-5 joueurs, eux qui sont encore en compétition, d'autres se sont arrêtés il y a déjà une semaine, d'autres un peu plus longtemps. C'est pas une date, et il y a leurs vacances à prendre. Et ensuite, ils doivent être en vacances, ceux qui sont arrêtés il y a plus d'une semaine par exemple. Ils ne peuvent pas complètement s'arrêter parce qu'ils ont ils ont une date FIFA avec deux matchs internationaux. Il y a ceux qui terminent tard et qui vont être un peu fatigués. Bref, la saison est longue. Cette date-là, elle est toujours compliquée. Donc, on fait au mieux. Il y a beaucoup de calculs à avoir. Il y a beaucoup de réflexions à avoir. Ça à prendre en compte, tout ça. Et puis, voilà. Donc, tout ça, c'est étudié. Mais bon, c'est un peu la même problématique pour toutes les sélections. Donc, on fait au mieux.